Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une guirlande de petits lapins et j'ai associé deux feuilles, voilà, d'où cette grande guirlande. Passons aux explications. Je vais vous demander de faire un gabarit, surtout si vous voulez faire comme moi deux feuilles. Ça vous permettra d'avoir exactement le même lapin à reproduire. Voilà, j'utilise un mug pour faire le corps du lapin. J'ai pris un bouchon de lait pour faire la tête. Je dessine les oreilles. Avec mes ciseaux, je découpe. Et je me retrouve avec un gabarit. Cette fois-ci, dans le bon sens pour vous. Alors, j'ai noté sur le côté, avec les petits traits rouges, les zones qui correspondent au pliage de la feuille, donc qui ne seront pas découpées. On ne découpera pas sur cette zone rouge. Voilà. Alors, j'avais appliqué mon gabarit ainsi. Donc, je n'ai pas de dessin à faire sur la partie rouge. Voilà. Je contourne. Voilà. Là, mon gabarit est bien au bord de la feuille, c'est important. Et voilà. Voyez, je n'ai pas dessiné sur les zones que l'on découpera plus tard. Avant, je dois réaliser un accordéon. Je plie ma feuille bien à l'endroit où je n'ai pas dessiné. Et je fais la même chose voilà, en accordéon. Pareil, au bord. Et encore une fois, dans une feuille, j'arrive à réaliser 4 lapins. Voilà. Mon premier lapin est fait. Le deuxième est là. Je vais les découper en prenant soin de ne pas couper ici. Je vous montre. Voilà. Ici, je vais retirer le petit bout. Enfin, je referai tout à l'heure. Je ne coupe pas. Je reprends le trait bleu. Et ainsi de suite. Voilà. Mes deux lapins. Mes deux modèles de lapins sont coupés. Voilà. Je les ai collés avec un petit bout de scotch. Et voilà, prêts à être décorés comme je veux. Alors, je vais prendre le premier rose. Faire un petit dessin. Des géométries. Voilà, les lignes brisées que les petits vont reconnaître. Voilà. Et j'ai décidé pour mon modèle de guirlande de faire un lapin sur deux, un lapin avec des géométries. Et un lapin avec un pompon. Alors, le pompon, moi j'ai du papier de soie de récupération. Si vous n'en avez pas, soit l'enfant dessine un petit rond, ou alors ben, une gommette, comme vous voulez, ce que vous avez, ce que vous trouverez. Voilà. Et donc, je vais continuer, je vais vous laisser continuer à décorer les lapins comme vous voulez, comme moi ou autrement. Voilà, à vous de décider. Et je vous laisse donc réaliser votre guirlande. Je vous représente une deuxième fois celle que vous avez vue au tout début, décorer un lapin sur deux. Voilà, moi je vais les afficher à ma fenêtre. Bonne journée, à bientôt.